Alors, Johan, toi, tu es skipper, tu cours pour la team Paprec Arkea et tu vas participer au Vendée Globe cette année. Ouais, exactement. Écoute, on a un beau bateau qui a été mis à l'eau en début d'année et qu'on est en train de préparer le Vendée Globe qui aura lieu le 10 novembre. Et nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que le bateau il soit non seulement le plus performant possible, mais aussi qu'il tienne la durée, puisque le Vendée Globe, c'est quand même près de 80 jours de navigation. Et si tu veux, j'ai 500 kilos de matos à bouger pendant le Vendée Globe d'un côté à l'autre. Et après, il faut faire la manœuvre de changement de bord, changer les voiles, les régler, relancer le bateau, etc. Donc ça, c'est important de se connaître là-dessus et de bien gérer ses efforts, de bien prévoir ses manœuvres. Mais là, c'est la dernière ligne droite, là, quand même. C'est la dernière année de préparation avant la grande aventure. Ouais, là on est en plein dedans, si tu veux, on a les yeux rivés vers le Vendée Globe, même si on essaye de pas trop regarder la montagne devant nous, parce que le truc est quand même assez Énorme. impressionnant. On fait nos dernières optimisations là pendant ce chantier d'hiver. On remet à l'eau, après c'est que de la fiabilisation pour être sûr que tout tient, tout fonctionne. Une petite révision au chantier d'été, et puis après c'est parti quoi.